Bonjour et bienvenue au Grand Projet Ensemble. Alors, où est-ce qu'on va les garçons aujourd'hui? À la chaîne, on est 2, 3, 4 ans. Allez, allons-y. Une petite fois, le capitaine Coco, le bateau du capitaine a couillé. Il se réveille dans la jungle et il a perdu son perroquet adoré. Le jambon marche dans la jungle pour tenter de le retrouver. Il s'est fait attaquer par un tigre et un lion. Pour les faire fuir, il fait plus mal de 10 marches. Au même moment, un troupeau d'éléphants arrose le capitaine. Il a fait son tourner. Le capitaine décide alors de le mettre à chasser. Même pas fait par un zèbre pour essayer de retrouver son perroquet. Transforme en perroquet. Capitaine Coco, en haut de cet arbre, enfin le retient. Il poursuit en de l'arbre, de branche en branche, jusqu'à l'entrée d'une grotte. Le singe s'y cache avec le perroquet. Le capitaine Coco récupère son perroquet et repasse tous les deux à bord du canot de sauvetage vers une nouvelle destination. Allez, salut les copains. Ah, salut. Quel drôle d'anime. Bonjour. Bon, on part à l'aventure. Alors, vous êtes prêts? On s'entraîne avec les instruments de musique, on s'entraîne. Allez. On est là. Montre-moi comment tu fais. Super, tout bien. Oh, magnifique, Lyon. Je crois qu'ils font des ombres chinoises. Chut, faut pas les déranger. Notre histoire se passe dans une grande forêt où habitaient beaucoup d'animaux.
Il y avait des grands chênes, des pins, des bouleaux. Dans un de ces arbres, il y avait un nid. Pas un nid de pie, mais un nid de merle. Tout allait bien jusqu'au jour où un petit œuf trop près du bord tomba et roula et finit sa course sur un rocher. Quand tout à coup, crac ! La coquille n'était plus et Marco était né. En se baladant dans la forêt, Marco se sentait bien seul. Il avait perdu sa maman. Il vit alors un lapin et un écureuil qui jouaient aux cartes. Il leur demanda. « Vous n'auriez pas vu ma maman, je l'ai perdue et impossible de la retrouver. »« Bonjour mon jeune ami, un oiseau noir comme la nuit ?»« Oui, un bec long comme un lundi après-midi ?»« Oui. » »« Alors oui, on l'a vue, elle part là. » Sur la plus haute branche. Vole, mon petit, va retrouver ta maman. Marco, tout content, se précipita pour tomber sur un énorme arbre où le sommet semblait à des kilomètres du sol. Il commença tant et bien que mal à grimper et tomba nez à nez avec un gros corbeau. Tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ta maman ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas se balader tout seul? Pitié, ne me mangez pas. Je ne voulais pas te manger, je voulais juste te faire peur. Je cherche ma maman, vous ne pourriez pas m'aider à la retrouver? Pourquoi pas, je vais essayer. Et le petit merle continua de chercher sa maman, si bien qu'il sortit de la forêt. À ce moment-là, une pluie torrentielle commença à tomber et notre petit Marco n'avait nulle part où se cacher. Il trouva refuge sous un caillou blanc et se blottit tout contre lui. À sa grande surprise, il était très doux et il commença à bouger. Malheur ! Ce n'était pas un caillou, mais une chèvre qui allait se mettre au-dessus de lui. Quand la pluie fut finie, Marco dit bien merci à la chèvre de l'avoir tenu au sec. De rien, mon petit, dans la vie, il faut s'entraîner, tu sais. C'est alors qu'au loin, il vit deux ombres approcher en volant. Le corbeau avait réussi, il avait retrouvé sa maman. Fou de joie, Marco se jeta dans les bras de sa mère et celle-ci remercia les autres animaux. Oh, mon tout petit, merci beaucoup les animaux. Eh ben dis donc, c'était bien cool. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va les enfants? J'ai 8 ans. Et on n'oublie pas notre chapeau. Ah oui, oui. Ça va. Mon petit chapeau. Bonjour tout le monde. Les enfants des 8 ans, avec l'aide de notre animatrice Shaima, nous avons pu reproduire 8 tableaux célèbres. Chaque enfant a relevé le défi au centre de l'enfance avec des objets de récupération et des costumes. Je vous laisse découvrir cela. Bon, maintenant, j'ai un peu d'ambiance. On va rencontrer les 9-11. On va rencontrer un produit, papa. Bon, assurez, les gars. Salut, les gars, je vais vous montrer c'est quoi le double dutch. Voilà, c'est ça le double dutch. L'artiste est précieux, car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. Pas d'art sans création, pas d'art sans émotion. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche ensemble.
il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. Pas d'art sans création, pas d'art sans émotion. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche ensemble. Précieux.